Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette prédication de l'Église Le Portail. Je salue les frères et les sœurs de l'Église dans Nabitibi, Portail Abitibi. Euh, mon épouse et moi, on était là la semaine dernière. C'était vraiment un plaisir d'être des vôtres. Euh, vraiment, Dieu fait de belles choses à Malartic en Abitibi. Donc, salutations. Salutations également à tout le monde qui se joint à nous pour cette prédication. Alors qu'on continue dans l'Épître de Pierre, première Épître de Pierre, notre série se nomme Voyageurs et étrangers. Et l'apôtre enseigne que le chrétien est un étranger sur la terre. Et il enseignait que le chrétien, en fait, est différent parce qu'on a un Dieu différent, notre salut est différent, nous sommes un peuple différent, le peuple de Dieu est un peuple différent. Donc, nos relations les uns avec les autres sont différentes. Et maintenant, il va parler d'un sujet vraiment très sensible, de notre rapport à la souffrance. Et ce que Pierre veut nous enseigner, c'est que le chrétien a un rapport à la souffrance qui est différent que le non-chrétien. Vous tu savez, sais, lorsqu'on réalise que nous sommes étrangers, euh, il n'y a rien de mieux que la douleur, ou je dirais mieux que le, de pire que la douleur et la souffrance, pour nous faire réaliser que quelque chose ne fonctionne pas. On voit que lorsque Dieu a créé l'univers, tout était bon, tout était bien. Et une des conséquences du péché, c'est le mal et c'est la souffrance. Nous souffrons parce que nous avons péché. La souffrance humaine est une conséquence du péché. Et l'apôtre Pierre nous enseigne comment le chrétien devrait vivre. Comment on est, c'est quoi notre rapport avec la douleur? Il y a une vieille chanson, c'est pas une chanson chrétienne, mais c'est une très belle chanson de REM des années 90 qui dit Everybody hurts, tout le monde souffre. Il y a des gens qui m'écoutent présentement. Tu souffres peut-être physiquement. Tu as une maladie, tu as des douleurs. Euh, peut-être que tu souffres mentalement. On dit souffrir, tu souffres de dépression tu souffres d'anxiété, quelquefois la souffrance elle est émotionnelle, hein, notre cœur est brisé. Des gens qui m'écoutent ont le cœur brisé à cause d'une situation avec tes enfants, à hein, une situation conjugale, une situation dans ta famille, une situation au travail. Et quelquefois on a une souffrance spirituelle. C'est que on retombe dans nos vieux péchés, on lutte avec le péché des batailles dans nos cœurs. Et il y a une souffrance spirituelle qui est là et la parole de Dieu nous enseigne que le chrétien souffre différemment. Et le titre de la prédication, c'est simplement souffrir différemment. Qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, le chrétien ne réagit pas comme le non-chrétien à la souffrance. Une, une étude qui est une des plus connues, c'est l'étude de la Guimauve. Plusieurs années, euh, un, un, un chercheur a fait venir des enfants et les a mis devant un test. Le test était tout simple, c'est-à-dire. Il y a un pot de guimauve, soit que tu manges une guimauve immédiatement, mais si tu te contrôles, si tu attends 15 minutes, tu vas avoir deux guimauves. Hein, c'est ce qui s'appelle la gratification différée. Et la majorité des enfants, évidemment, ont mangé, aiment mieux avoir une guimauve immédiatement que d'attendre 15 minutes pour avoir deux guimauves. Et c'est exactement la différence entre le christianisme et l'hédonisme. Dans notre culture... Notre rapport à la souffrance, à la douleur, ça s'appelle l'édonisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre monde croit que le but de la vie est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Monsieur, Madame, tout le monde autour de nous, puis même il y a des chrétiens malheureusement qui croient ça, que le but de la vie c'est de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Jésus n'est pas mort à la croix afin que tu puisses maximiser le plaisir. Le plan Dieu ne t'a pas créé pour minimiser la souffrance. Il t'a créé pour plus que ça. Dieu ne t'a pas créé pour une guimauve. Le chrétien comprend le principe de la gratification différée. C'est que nous sommes prêts à souffrir maintenant parce que nous vivons en fonction de l'éternité. Et le christianisme dit que le but de la vie n'est pas de diminuer le plaisir, de maximiser le plaisir, mais le but de la vie, c'est de glorifier Dieu malgré la souffrance. Donc, c'est pourquoi la Bible enseigne aux chrétiens, ne mange pas la guimauve du péché. Parce que Dieu a pour toi beaucoup plus que deux guimauves. Il a des guimauves à l'infini. Et lorsque tu comprends le principe de la gratification différée, ça change ton rapport à la souffrance. Maintenant, regardons ce que dit la parole de Dieu. Et c'est, un, un, encore une fois, un passage très riche. Il y a beaucoup de pépites d'or pour la vie pratique, la vie quotidienne dans ce, dans ce passage biblique. Donc, au chapitre 4, après avoir abordé différents thèmes, maintenant. Pasteur Pierre, l'apôtre Pierre enseigne aux chrétiens comment nous pouvons souffrir différemment. Tout le monde souffre. La question c'est pas est-ce que tu vas souffrir ou pas, c'est comment dans la vie tu vas passer, tu vas naviguer au travers des épreuves. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Hein, C'est assez. En marchant dans le dérèglement, la convoitise, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Verset 5. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon étendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles ou la parole de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivez à quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin que vous afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, ah, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes, et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Finalement, verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen, amen, amen. Plusieurs principes très puissants là-dedans. Et la première chose qu'on voit, le chrétien sait que mieux vaut souffrir que pécher. Verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, de cette pensée que mieux vaut souffrir que pécher. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, ça veut dire que le péché est à sa place. Il y a quelque chose qu'on a réglé dans notre cœur et dans notre tête. Le chrétien préfère souffrir que pécher. Notre foi en Jésus... Renverse nos priorités. Hein? C'est le chrétien qui perd son travail, qui préfère souffrir de perdre son travail plutôt que de faire des choses croches au travail. C'est le chrétien qui décide de ne pas pécher, de rester intègre au travail. Il est prêt à perdre son travail parce qu'il sait que mieux vaut souffrir que pécher. C'est les parents qui décident de ne pas inscrire leurs enfants dans une activité où c'est toujours le dimanche parce qu'ils savent que ce qui est plus productif spirituellement dans la vie, ce n'est pas d'amener l'enfant à l'aréna, ce n'est pas d'amener l'enfant au gymnase, c'est de l'amener à l'église régulièrement. Mieux vaut souffrir que pécher. C'est la célibataire de 30 ans qui connaît la parole, qui dit il faut se marier dans le Seigneur et qui refuse d'abaisser ses standards et qui prie pour avoir un homme de Dieu. Et elle souffre du célibat, mais elle préfère souffrir que pécher et d'abaisser ses standards. C'est... La personne malade qui refuse l'aide médicale à mourir parce qu'il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit si quelqu'un détruit le corps, le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est quelqu'un qui sait que la vie appartient à Dieu. C'est quelqu'un qui sait qu'on peut réussir notre vie, mais par la grâce de Dieu, on peut réussir notre mort. C'est quelqu'un qui sait mieux vaut souffrir que pécher. C'est le couple qu'un enfant qui refuse de se faire avorter parce que c'est le mauvais moment. Parce que les carrières prennent leur envol, parce qu'ils n'ont pas encore les finances, ils n'ont pas la maison, puis ils savent que ça va mettre une pression financière sur le foyer, mais qui refusent de pécher, qui savent que mieux vaut souffrir que pécher. C'est des jeunes qui rentrent dans le ministère, c'est des gens qui, qui refusent un certain train de vie, c'est des gens qui, dans le séculier, préfèrent beaucoup plus d'argent, mais mettent leurs dons et leurs talents au service du corps de Christ. Donc, oui, mieux vaut souffrir que pécher, mieux vaut répondre à l'appel de Dieu que de vivre confortablement. C'est des chrétiens qui se tiennent pour Jésus et qui se font calomnier, qui perdent leur réputation, mais ils savent mieux vaut souffrir, mieux vaut que ma réputation souffre que de renier mon Sauveur. Mieux vaut souffrir que pécher. Et l'apôtre continue au verset 2 Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. L'apôtre enseigne que les chrétiens ont des souffrances que les non-chrétiens n'ont pas. Est-ce que tu savais ça? Tout le monde souffre, mais les chrétiens, nous avons des souffrances que les non-chrétiens ne souffrent pas. La Bible dit que le chrétien, c'est celui qui renonce à lui-même. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Puis ça, c'est dur. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on crie, ta trame, tout a toujours rapport avec moi. Par nature, nous sommes égocentriques. C'est souffrant d'être christocentrique. C'est souffrant de faire ce que la Bible dit, de crucifier notre chair. Pourquoi? Parce que moi, je veux dorloter ma chair. Moi, je veux amener ma chair au spa, je veux la faire masser. Tout ce qui est rebelle en moi, je veux en prendre soin, je veux le garder. Et la Bible dit, tu dois crucifier ta chair. C'est plus difficile de crucifier sa chair que de dorloter sa chair. La Bible dit de faire mourir le péché. Alors que nous, on a nos péchés mignons, on veut le cajoler. On veut le garder caché. On veut que personne ne le voit. On veut le sortir quand ça fait notre affaire et le recacher. La Bible dit que tu dois tuer ton péché, faire mourir ton péché. C'est souffrant de renoncer au péché. La Bible dit d'obéir à la parole de Dieu. C'est souffrant parce que dans notre chair, on veut non pas obéir à la parole de Dieu, mais on veut choisir dans la parole de Dieu. C'est souffrant de suivre Jésus. Vous savez, moi je suis prêt à suivre Jésus en Floride. Je peux le suivre à Cuba, je peux le suivre dans des beaux endroits, je peux le suivre dans la gloire, mais lorsque c'est le temps de le suivre à la croix, c'est souffrant. Donc, oui, il y a des souffrances, tout le monde souffre, mais être chrétien, mon ami, je veux juste te dire que ce n'est pas la vie la plus facile. C'est la vie la plus glorieuse, mais ce n'est pas la plus facile. Et l'apôtre continue verset 3. C'est pourquoi? C'est suffisant, en effet. D'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans leur dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle. La parole de Dieu déclare que souffrir ne donne pas le droit de pécher. Qu'est-ce que je veux dire? C'est intéressant parce que la parole de Dieu dit, après avoir énoncé des grandes vérités, il va dire que souvent une des tentations du chrétien, c'est de tomber, puis là, il y a des péchés, c'est dans les excès. L'excès d'alcool, l'excès de nourriture, l'excès de sexe. C'est tout ce qui est hors du cadre de Dieu. Puis en fait, pourquoi la parole de Dieu mise vers cela à ce moment-là? Parce que notre chair nous fait croire que lorsqu'on souffre injustement, qu'on a droit à une compensation. Quand je suis au restaurant et j'ai un mauvais service, lorsque mon steak est trop cuit, lorsqu'il y a un délai, lorsque j'ai un cheveu dans ma soupe, je m'attends à avoir une compensation. Donne-moi quelque chose, donne-moi un rabais, donne-moi un dessert, donne-moi un digestif, donne-moi un jello, donne-moi quelque chose. Et le chrétien. Dans sa chambre, lorsqu'on souffre, il y a une petite voix qui nous dit, « Dieu me doit quelque chose. J'ai comme le droit de pécher. J'ai le droit d'avoir une compensation. Je souffre injustement. J'ai le droit à une récompense. » Souffrir ne te donne pas le droit de pécher. La parole de Dieu dit, « C'est assez. On a assez péché. Tu en as eu assez de jello avec le diable. » La souffrir ne donne pas le droit de pécher. Parce que quand on souffre, on est vulnérable. Et regarde, il trouve étrange, donc il parle des non-chrétiens, que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Il vous calomnie. Si tu es chrétien, prépare-toi, ta réputation va souffrir. Tu ne vas pas remporter un concours de célébrité. Jésus, on ne l'a pas mis sur un podium, on l'a mis sur une croix. Un chrétien, ce n'est pas populaire. Si tu veux être populaire, va faire un stage de yoga en Californie. Mais ne dis pas que tu suis Jésus-Christ. Si tu es un chrétien, ta réputation va souffrir. Une histoire qui m'a toujours marqué, c'est qu'à un moment donné, il y avait des, un, un groupe, un groupe dans le désert du Sahara. Il y avait un guide qui les dirigeait. Et à un moment donné, ça, ça prenait du temps, puis euh, ils, ils se sont comme perdus. Et là, a, vous savez, il y a un phénomène quand tu es perdu dans le désert, à un moment donné, tu as des mirages, tu vois des choses. Et là, les, les, c'est une troupe, en fait. Puis là, ils ont commencé à dire hey, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Il, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et le guide leur disait non, non, c'est un mirage, c'est un mirage. Et là, on courait, puis là, le guide les retenait. Non, non, allez, vous allez vous enfoncer. À un moment donné, ils ont tué le guide. Puis là, ils ont, ils ont comme, commencé à courir, courir vers ce mirage. Puis en fait, ils se sont simplement plus enfoncés dans le désert, puis ils sont tous morts. La culture ne comprend pas que les chrétiens ne courent pas avec eux vers ces mirages. Alors que notre culture court dans un débordement de débauche incroyable aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'on ne court pas avec eux. Et ils nous calomnient. Ils nous disent intolérants parce qu'on n'adhère pas à tout ce qu'ils adhèrent. Ils nous disent étroits d'esprit parce qu'on n'adhère pas à tout ce qu'ils adhèrent. Alors que Jésus était la personne qui avait le plus grand cœur au monde, mais Jésus était étroit d'esprit. Jésus a dit Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Donc, mon ami, prépare-toi. Si tu es chrétien, tu vas souffrir. Mais voici la bonne nouvelle c'est que tu n'es pas seul. Verset 5. Ceux justement, qui calomnie, qui te calomnie parce que tu es chrétien, ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ceux qui te feront souffrir devront rendre compte à Dieu. Verset 6. C'est pour cela, en effet, que les morts où sont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Wow! Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Okay. On dit que Dieu a jugé, va juger les vivants et les morts. Et on dit, dans ces morts, il y en a qui ont été évangélisés. C'est quoi? C'est les chrétiens qui ont reçu l'évangile sur la terre qui sont décédés. Alors que d'un point de vue humain, on les considérait comme des moins que rien, comme des étroits d'esprit, comme du petit monde, du monde qui était naïf. La Bible dit que ces gens-là, aujourd'hui, alors qu'ils ont été jugés selon les hommes comme moins que rien, Dieu a rendu son jugement et présentement tous nos bien-aimés qui sont décédés se réjouissent dans la gloire de Dieu. Puis en fait, l'évangile est la seule bonne nouvelle pour les chrétiens qui souffrent parce que nous avons une espérance. Les gens peuvent se poser la question, mais c'est quoi l'avantage de croire en Jésus si les chrétiens ont les mêmes maladies, si les chrétiens ont les mêmes accidents, si on vit les mêmes drames, si on vit les mêmes crises, les mêmes injustices, les mêmes problèmes, si on vit la même mort? C'est que nous avons l'espérance dans une autre vie. C'est comme quand tu fais un cauchemar. Tu fais un cauchemar. Puis là, à un moment donné, moi, dernièrement, j'ai fait un cauchemar. Puis là, tout le monde autour de moi était, était mort. Puis là, il y avait une, une affaire incroyable. Puis là, j'avais tout perdu. Puis là, à un moment donné, juste au moment où je me réveille, euh, j'arrive, l'arbre me tombe dessus, je vais mourir. là, je me réveille comme. Je touche à ma femme, je touche à, je touche à mon chat. Je touche... okay. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Le chrétien sait que présentement, ici, quelquefois, tu peux souffrir, tu peux vivre des choses atroces. Ce que tu vis présentement, c'est comme un cauchemar. Un jour, tu vas te réveiller dans l'éternité et tu vas te rendre compte que la réalité n'était pas ici, elle est vraiment là-bas. Nous sommes étrangers et voyageurs. L'Évangile est la bonne nouvelle pour les chrétiens qui souffrent. Et la Bible dit qu'ils ont été évangélisés. Quand tu reçois l'Évangile, c'est à toi qui m'écoutes. Tu peux avoir cette espérance. Évangéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire évangéliser, ce n'est pas juste comme donner les quatre lois spirituelles. C'est recevoir l'Évangile. C'est l'Évangile qui pénètre dans ton cœur. Littéralement, la bonne nouvelle de Jésus qui pénètre dans ton cœur. La même manière que du lait pasteurisé, c'est quoi? Du lait pasteurisé, c'est un procédé qui enlève les microbes pour préserver le lait. C'est qu'on fait chauffer le lait à une très haute température et rapidement, on le refroidit et ça tue les microbes. Donc, un lait pasteurisé est un lait qui est décontaminé. Lorsque tu reçois l'Évangile, l'œuvre de Jésus, tu n'es pas pasteurisé, tu es évangélisé. C'est-à-dire, l'Évangile tue le péché dans ta vie et lorsque tu meurs, tu as l'assurance de la vie éternelle. Et maintenant, la parole de Dieu va donner quatre conseils très pratiques aux gens qui souffrent pour aller à l'encontre de ton réflexe naturel. Verset, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobre en vue de la prière. Et le mot sensé et sobre, c'est au niveau de tes pensées. C'est d'avoir des pensées claires. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Prie, même si tu souffres. C'est quoi le rapport? Parce que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est éprouvé, notre foi est attaquée généralement. Et notre foi est attaquée, puis la parole de Dieu dit la meilleure manière d'attaquer le doute, c'est de nourrir la foi, de prier. Une, des, des, une autre étude qui m'a beaucoup marqué, c'est une, une étude qui est quand même assez connue. C'est qu'il y a un chercheur, plusieurs années, qui a pris, il voulait savoir combien de temps pouvaient nager des souris. Donc, il a pris des souris domestiquées et des souris sauvages. Il a pris les, nourris, les souris sauvages, il les a mis dans l'eau. Les souris sauvages, c'est un peu brutal, excusez-moi, n'appelez pas la SPCA, mais les souris sauvages sont mortes, noyées rapidement. C'est produit quelque chose, c'est que les souris domestiquées, donc qui étaient, qui étaient domestiquées dans une cage à la maison et qui avaient des interactions avec des humains, euh, étaient, beaucoup plus, euh, étaient beaucoup plus battantes. Elles se battaient, elles nageaient plus longtemps. C'est surprenant parce qu'on pourrait penser que des souris sauvages, dans un contexte où elles doivent survivre, qu'elles seraient plus endurantes, puis en fait, c'est les souris domestiquées qui étaient les plus survivantes, qui nageaient le plus longtemps. Et là, l'hypothèse, c'est que les souris, les souris domestiquées avaient espoir, de, de la même manière qu'une main qui les nourrit, qu'une main qui nettoie leur cage, que cette main-là vienne les sortir. Donc, dans leur petite tête, il y avait une espérance que les autres n'avaient pas, qui vivaient sans humain. Et pour le prouver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les souris sauvages, on l'a mis dans l'eau et on l'a retiré. On l'a remis, on l'a retiré. Et ces souris qui se noyaient en quelques secondes, tout à coup ont Commencé à nager pendant des heures et des heures et des heures, même une journée complète. Pourquoi? La puissance de l'espoir. Si quelqu'un me sorti de là une fois, il peut le faire deux fois, il peut le faire trois fois. Mon ami, alors que ta foi est attaquée, si tu suis Jésus, tu sais que Dieu t'a déjà sorti une fois, deux fois, trois fois, le Dieu, la main de Dieu qui t'a sorti de là est encore capable de le faire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « prie même si tu souffres ». Non seulement « prie même si tu souffres », verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Aime même si tu souffres. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est éprouvé, on a tendance... Il y a quelqu'un qui a dit « les gens blessés blessent les gens ». Il n'y a, a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Pourquoi? Parce que si tu veux aider un animal blessé, instinct sur il va te mordre. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça qui sont blessés. Puis il y a des gens autour qui, qui veulent les aider, mais c'est plus fort qu'eux. Ils vont blesser les gens autour d'eux. Parce que les gens blessés blessent les gens. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu qui coule dans ta vie et le Saint-Esprit, la Bible dit renverse le cycle. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu dois blesser les gens. Accepte l'aide des gens. Puis des fois, les gens vont peut-être t'offenser, vont dire des choses malhabiles qui ne devraient pas, mais couvre les péchés. Couvrir le péché, ça ne veut pas dire qu'on cache, et on fait comme si rien n'était. Ça veut juste dire qu'au lieu de, 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 de relever le péché des gens autour de toi, couvre les péchés, pardonne, fais grâce. Et tu vas voir, en faisant ça, ça va changer le cycle. Et ces gens-là autour de toi... Va avoir un impact dans ta vie. Donc, aime même si tu souffres. Puis, il continue en disant, verset 9, Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Reste connecté avec l'Église même si tu souffres. La Bible parle beaucoup, le Nouveau Testament parle beaucoup d'hospitalité. Pourquoi? À l'époque, il n'y a pas d'hôtel. Hein, il n'y a, a à peu près pas d'hôtel. Donc, quand les chrétiens voyagent, ils n'ont pas d'endroit où habiter. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est l'Église, le tissu social, c'est l'Église. Lorsque des, des pasteurs, des missionnaires qui, qui vont dans des différents endroits puis qui voyagent, bien, la seule manière d'avoir un logis, d'être en sécurité, c'est si les frères et les sœurs les accueillent. Donc, ici, l'hospitalité, c'est beaucoup plus que d'inviter un couple demain un dimanche après-midi pour manger du poulet et de la salade de chou. L'hospitalité, c'est l'Église. Reste connecté à l'Église. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens qui souffrent ont quelquefois tendance à s'isoler. Vous l'expérience de la guimauve que je parlais de tout à l'heure, la majorité des enfants, je pense que 75 des enfants ont mangé, préféraient manger la guimauve que d'attendre 15 minutes pour avoir deux guimauves. On aurait fait l'exercice l'année dernière. Mais on a changé la donne. On a mis des enfants en couple de deux pour voir, est-ce que d'avoir quelqu'un à mes côtés, ça fait m'aider à, à fixer mes yeux sur une gratification différée? Puis tu sais quoi, ça a complètement renversé les statistiques. Alors qu'auparavant, un enfant seul, une personne seule a de la difficulté à résister, lorsqu'ils sont deux, puis là, il y en a un qui veut, plus dit non, non, hey, on va attendre, puis, puis ils s'encouragent les uns les autres, ils sont beaucoup plus persévérés, ils sont beaucoup plus tough. Mon ami, tu as besoin de l'Église pour t'endurcir, tu as besoin de l'Église pour te soutenir, tu as besoin de l'Église pour t'aider à persévérer. Reste connecté avec l'Église, même si tu souffres. Et la parole de Dieu continue 10 et 11. Puisque chacun de vous, a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon étant de la grâce de Dieu, si c'est diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, puis je vais arrêter ici. La Bible dit, serre même si tu souffres. Pourquoi? Quand on souffre, on a tendance à être très introspectif, à être centré sur nous, c'est normal, on a mal. Et une des clés bibliques, c'est serre les autres occupe-toi des autres, puis Dieu va s'occuper de toi. Hein? Quelqu'un qui, qui regarde ça, puis ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui souffrent, il y a tout un, un enseignement sur la souffrance. L'apôtre Pierre dit, serre les autres, c'est quoi le rapport? Encore une fois, c'est des conseils très pratiques. Encore une fois, il y a des gens, une des choses qui les aide à passer au travers de leur épreuve, ce n'est pas de, de s'isoler, c'est de servir. Les gens disent, oui, mais je n'ai pas l'énergie. Regarde comment c'est beau la grâce de Dieu. La Bible dit, faites-le. Afin que si quelqu'un sait que ce soit par la force de Dieu. C'est un, un peu comme le surfeur. Le surfeur, premièrement, lorsqu'il arrive dans la mer, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche la vague. Il cherche la vague. Et son but, ce n'est pas de créer la vague, ce n'est pas de, de, de provoquer la vague. Son but, c'est simplement de se mettre en, en ligne avec la vague. La Bible dit quelquefois, il y a des saisons où on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, on est découragé et on n'a pas le goût de le faire. Mais par obéissance, en ligne-toi avec l'œuvre de Dieu. Avec, en ligne-toi avec ce que Dieu... Il y a une vague. Premièrement, mets tes pieds à l'eau. Commence à servir et tu vas voir, la vague va te porter. La grâce de Dieu va te porter. Reste connecté avec l'Église même si tu souffres. Sers même si tu souffres. Et regarde. Afin... Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Glorifie Dieu, même si tu souffres. Ne deviens pas amère contre Dieu parce que tu souffres. Ne sois pas fâché contre Dieu parce que tu souffres. Je ne sais pas si vous connaissez Johnny Erickson-Tada, qui est une, une dame qui, lorsqu'elle était jeune, adolescente, elle a sauté d'une falaise, et elle a mal évalué la profondeur de l'eau et euh, elle s'est brisée, s'est brisé le cou. Et à partir de ce moment-là, elle est devenue paralysée de, de, de la tête jusqu'aux pieds. Hein, seulement la tête qui peut bouger. Complètement paralysée. C'est une jeune croyante, et, et évidemment, elle a eu des périodes de doute, de difficultés. Et euh, c'est une disciple de Jésus, elle a écrit, euh, je pense, une quarantaine de livres, même des albums. C'est une légende hein, dans le monde chrétien, là, Johnny Erickson-Tada. Toute une inspiration. Et euh, je lisais aujourd'hui sur son blog qu'elle disait la chose suivante. Elle dit J'attends avec impatience le paradis quand je me lèverai enfin sur des jambes ressuscitées. Elle, ça fait au-delà de 60 ans, Kek. 60 ans qu'elle n'est pas sur ses jambes. Puis peut-être même plus, là. Donc, elle dit J'attends avec impatience le paradis quand je me lèverai sur des jambes ressuscitées. Et vous savez quelle est la première chose que je vais faire? Quand elle va retrouver ses jambes, dans l'éternité, la première chose qu'elle va faire. Tomber sur mes genoux glorifiés. Wow! J'aurai enfin l'occasion de m'agenouiller au pied de mon Sauveur. Ma posture physique sera une expression extérieure de mon cœur d'adoration. Glorifie Dieu même si tu souffres. La parole de Dieu continue. Et là, la parole de Dieu nous, nous, nous remet en place en disant souffrir n'est pas étrange, mais normal. Alors qu'on vit toutes sortes de choses que j'ai mentionnées dans ce message, qui sont dues à cette vie, dans ce monde pécheur, quelquefois les conséquences du fait qu'on suit Jésus. Regarde. Bien-aimé, verset 12, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Hein, des fois, les chrétiens, on est comme ça. Il se produit des choses, les gens sont éprouvés, puis on se dit qu'est-ce qui se passe Pourquoi Dieu permet Le diable nous attaque, il est déchaîné, puis. Il peut avoir un petit peu de tout ça. Mais on est, on, on est surpris. C'est comme si ce pas normal. La parole de Dieu dit la fournaise, l'épreuve, c'est normal dans ce bas bon monde. Ne soyez pas surpris comme si c'est étrange. Quand tu es éprouvé, quand tu souffres, ce n'est pas comme quelque chose de, de paranormal. C'est normal. Mais prenez réconfort dans le fait que Dieu a un plan. Vous savez, la fournaise. La fournaise, ici, ce que Pierre parle, il en fait allusion pour le lever au début. Dans 1 Pierre, 1, euh, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 et 7, où il dit que on va être éprouvé de la même manière que notre foi doit être éprouvée comme l'or pur. Alors, quand tu prends de l'or et tu veux purifier de l'or, qu'est-ce que tu fais? Tu fais chauffer l'or pour enlever tout ce qui n'est pas de l'or. Et la parole de Dieu dit que Dieu nous aime, il veut nous transformer, il veut nous purifier, il veut agir. Bien que nous sommes totalement pardonnés, totalement justifiés, il y a une œuvre de sanctification dans nos vies. Dieu nous aime assez pour nous accepter tels que nous sommes et nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et la fournaise, le chrétien voit l'œuvre de Dieu dans l'épreuve, parce que l'épreuve va produire des choses dans ta vie que seule l'épreuve peut produire. Et la bonne nouvelle pour le chrétien, parce que la Bible parle, ne soyez pas surpris de la fournaise qui s'y Vous savez, l'or dans le feu reste de l'or. Le plastique... Détruit. L'épreuve révèle si ta foi est en or ou en plastique. L'épreuve révèle, euh, révèle si tu es un chrétien en or, un chrétien authentique ou si tu es un chrétien en plastique. Jésus en a parlé dans ses paraboles. L'épreuve révèle et Dieu se sert de l'épreuve justement pour démontrer qui lui appartient réellement. Donc, souffrir n'est pas étrange, mais normal. Et non seulement ce n'est pas étrange, c'est normal, on voit le plan de Dieu, puis on se réjouit, même il y a une manière de se réjouir dans l'épreuve, on n'est pas content de souffrir, mais on se réjouit du plan de Dieu qui prend place dans l'épreuve. Regarde, verset 13. Au contraire, donc soyez pas surpris, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Parce que lorsqu'on souffre, on souffre avec Jésus. De la même manière que les chrétiens, on vit avec Jésus, on va ressusciter avec Jésus. Lorsqu'on souffre, on souffre avec Jésus. Jésus souffre avec nous. Puis dit, réjouis-toi, parce que ton union avec Christ n'est pas brisée par la souffrance. Et même souvent, c'est ta souffrance qui révèle l'intensité de ton union avec Jésus. Quand, quand on était en Grèce, je crois l'avoir déjà dit, lorsqu'on s'en allait à Mykonos, on était dans un bateau, on a eu une tempête incroyable, la plus grosse tempête que j'ai expérimentée de ma vie. On est dans le bateau, ça brasse, ça brasse, ça brasse, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun, c'est même un peu paniquant. Mais j'ai des sentiments mitigés parce que d'un côté, j'étais avec mon épouse, on est en, en voyage d'amoureux, 25e anniversaire de mariage, on est en Grèce, je suis en vacances, on s'en va, puis là, j'anticipe Mykonos. D'un côté, ça brasse, j'ai pas de plaisir, mais de l'autre, je me réjouis parce que j'étais avec ma femme en Grèce, puis on s'en va à Mykonos. Le chrétien, lorsque ça brasse dans ta vie, ce n'est pas le fun. Il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui prie pour être éprouvé. On n'aime pas ça. Mais notre foi en Jésus, on sait, on est capable de se réjouir que Jésus est quand même avec nous. Et ça fixe nos yeux vers la destination, vers la vie éternelle, vers la gloire céleste, vers le paradis. Alléluia. Et en plus, quand on souffre, on sait que Dieu est particulièrement avec nous. Si vous êtes outragé, verset verse 14, si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Wow. Vous savez, les chrétiens souvent, on banalise la présence, la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Vous savez, des fois, tu n'auras pas le miracle. Des fois, tu ne vas pas l'entendre, la parole. Mais la présence de Dieu, elle est là. Hein, et la présence, il n'y a rien de plus réconfortant que la présence. La preuve, un enfant, la nuit, qui a, qui a, qui a fait un cauchemar. Simplement besoin que maman ou papa soit à côté de lui. Tu n'as pas besoin de lui faire un traité scientifique sur le fait que son cauchemar n'est pas réel. Il veut juste une présence. Hein, lorsque euh, tu, tu passes des examens à l'hôpital puis il y a quelqu'un qui t'accompagne, hein, il ne va pas rentrer avec toi voir le médecin. Il ne va pas rentrer dans la machine avec toi, hein, dans le scan ou peu importe. Tu, tu y vas tout seul, mais une présence est avec toi. Hein, au salon funéraire, il y a plein de monde assis qui ne font rien. Ils ne font rien. Ils sont là. C'est quoi? C'est une présence. Et la Bible dit que lorsque tu es éprouvé, lorsque tu souffres, Dieu est particulièrement présent. À toi qui souffres, Dieu est là. C'est réconfortant de savoir que Dieu est là. Dieu ne t'a pas abandonné. Ton épreuve n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné, que Dieu te, te, te châtie. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, les chrétiens, on ne sait pas toujours pourquoi on vit l'épreuve, mais on sait ce que l'épreuve n'est pas. On sait que l'épreuve n'est jamais le jugement de Dieu sur nos vies. Donc, Dieu est particulièrement présent quand tu souffres. Mais cela étant dit, c'est important de souffrir pour les bonnes raisons. Est comme, regarde ce que dit la parole de Dieu, verset 15 Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Donc, on voit le spectre très, très large. Hein? Mais si c'est comme chrétien qui n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Alors qu'on parle beaucoup de souffrance ce matin, la Bible dit que tu n'es pas obligé de souffrir pour les mauvaises raisons. Il y a une bonne raison de souffrir. Quand tu souffres pour la gloire de Dieu, quand tu souffres parce que tu es chrétien, lorsqu'il t'arrive des situations et que tu glorifies Dieu, les mauvaises raisons de souffrir, c'est lorsque tu pèches et que tu vis la conséquence de ton péché. La vie est assez difficile comme ça. Ne t'attire pas plus de souffrance. À, à, à tous les, les 3-4 ans dans le journal, on dirait que je vois un pasteur quelque part dans le monde que a tenté de faire quelque chose d'imbécile que tenter de marcher sur l'eau, puis ça a mal fini. Hein? Les trois. Dernièrement, là, il y en a un qui a un pasteur qui, à son église, qui a dit J'ai une révélation, que je vais marcher sur l'eau. Venez avec moi, ils s'en va. Il va dans la rivière, le pasteur met les pieds là, il y a trois crocodiles qui le mangent. Super dimanche matin. Un autre pasteur dit J'ai une révélation, je vais marcher sur l'eau. L'église est là sur la plage, ça va avec sa chaloupe sur l'océan. Et gap, le monde, ça chante, ça prie. cest vraie vrai, là. Puis là, lui, il descend, il dit Je vais marcher sur l'eau. Il là, il ne s'est pas nager, m'a noyé. Un autre a tenté de se pratiquer dans son bain, de marcher sur l'eau, son, dans son bain, peut-être commencer modestement. Il est tombé, s'est brisé le cou, il est mort. Est comme... On n'est pas obligé de souffrir à cause de notre imbécilité. Malheureusement, souvent les chrétiens, on sait ce que la parole condamne. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. On, on sait que ce qu'on va, on va récolter, ce qu'on a semé, et malheureusement, nous sommes l'artisan de notre propre malheur. Donc, la Bible dit, il y a assez de souffrance dans la vie. Tu n'es pas obligé de souffrir pour de mauvaises raisons. Donc, encore une fois, si c'est ton cas, tu es pris dans une situation où tu récoltes la souffrance parce que tu as semé le péché. La bonne nouvelle, c'est de venir à Jésus. Mais vous savez, souvent, les chrétiens, on veut, on, veut, on veut que Dieu traite les conséquences, mais pas la cause. L'important, c'est de venir à la racine, la repentance. Pourquoi la Bible parle que la tristesse selon Dieu, selon le monde, la tristesse selon Dieu, c'est la repentance qui, 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 qui renonce au péché, mais la tristesse selon Dieu, c'est les remords parce que tu t'es fait poigner, c'est les conséquences du péché. Donc, ne souffre pas pour les mauvaises raisons. Et Presque terminé. Avant-dernière pépite d'or sur la souffrance, sur la vie que Pierre nous donne. Mieux vaut souffrir un peu maintenant pour Jésus que souffrir éternellement sans Jésus. Le peuple de Dieu, écoute bien, mieux vaut souffrir un peu maintenant pour Jésus que souffrir éternellement sans Jésus. Et là, il y a un passage qui est assez particulier, versets 17 et 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? C'est important de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Premièrement, lorsqu'on dit que le jugement commence par la maison de Dieu, vous savez, nous, quand on parle de jugement, on parle souvent de condamnation, de verdict. Le jugement dans la Bible, quelquefois, c'est simplement l'acte de juger. Et il peut avoir deux conséquences justification ou condamnation. Donc, le jugement, ici, c'est notre. C'est-à-dire, l'action où Dieu traite nos péchés a commencé. Oui. Dieu le fait à la croix pour les chrétiens. L'œuvre de jugement a déjà commencé. C'est en deux parties. La première partie, c'était à la croix pour les chrétiens. La deuxième partie, le jugement donné pour les non-chrétiens. Donc, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est un principe biblique que tu retrouves dans Ézéchiel 9, c'est-à-dire Dieu commence toujours par les siens. La bonne nouvelle, c'est que ce jugement n'est pas une condamnation, mais une justification. Mais le juste juge a fait quelque chose à la croix, et par la grâce de Dieu, tes péchés sont pardonnés, tu devrais dire Amen. Maintenant. La Bible dit, Jésus a dit que celui qui croit en Jésus est déjà jugé, ne vient pas en jugement, parce que Jésus a porté ton jugement à la croix. Donc, à la croix, ton péché a été jugé. Jésus a porté ton péché. Maintenant, même si nous sommes sauvés par grâce, n'empêche que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Vous savez, des fois, on a un évangile bonbon où c'est l'évangile, on dit Ok, qui va accepter Jésus? Répète après moi, fais la prière de repentance. Merci bonsoir, tu es sauvé. Vous savez? Ce n'est pas comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Mais ça, c'est la, la, la grâce cheap. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Vous savez, Jésus a dit des choses très, très difficiles. Jésus a dit, à un moment donné, Jésus enseigne, puis il y a des disciples qui disent, ben, coudons. tu vas voir ça dans, dans Luc 13, verset 23-24. Coudon, est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés? Puis Jésus, Jésus dit, la porte est étroite, puis il y en a peu, il y en a peu qui passent par là. C'est une minorité qui est sauvée. La Bible dit que les, les moments donnés, l'opposition du monde contre l'Évangile, contre l'Église va tellement s'accentuer. Jésus va dire que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. parce C'est tellement difficile. De plus en plus difficile. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, si le juste est sauvé difficilement, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par nos œuvres, nos mérites, puis on va y arriver, puis c'est difficile. Ce pas ça que ça dit. Ça dit que même nous qui sommes sauvés par grâce, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle n'est pas facile, il y a un prix à payer. Puis il dit, imagine si c'est vrai pour les enfants de Dieu, imagine ceux qui sont sans Jésus. Ah, moi, j'ai fait plusieurs courses, des courses à obstacles, des, 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 des courses où euh, tu... Tu vas dans sous des barbelés, tu vas, tu vas ramper dans la boue avec des cordes, des poteaux, des palissades, toutes sortes de trucs. Puis, puis je me souviens d'une course, ça m'a marqué, il y avait, avait quelqu'un qui, qui lui manquait une jambe, puis je pense qu'il lui manquait un bout de bras. La personne faisait la même course, puis il y avait un ami. C'était beau à voir parce que son ami, son ami vraiment le tirait, le poussait, le portait. Puis sans son ami, oublie ça, là, il ne fait pas la course. C'est déjà assez difficile quand tu as tous tes membres, quand il t'en manque, c'est… Puis c'est un peu ce que la Bible dit. Le chrétien, oui, nous sommes sauvés, mais pourquoi? Parce que Jésus nous tire, Jésus nous pousse, Jésus nous porte. Puis même avec tout ça, c'est quand même pas toujours facile. Imagine-toi qu'il n'y a pas Jésus. Imagine-toi qu'il n'y a pas Jésus. Tu penses que tu vas y arriver? Ah, on peut dire beaucoup de choses des chrétiens, mais nous avons Jésus. Puis même nous, avec Jésus, c'est pas toujours facile de persévérer. Puis toi, n'as pas Jésus, puis tu penses que tu vas y arriver par toi-même. Mon ami, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Et voici la dernière pépite d'or de ce beau texte, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Wow. Continue de faire confiance à Dieu même quand tu souffres. À toi qui souffres, à toi qui es éprouvé, à toi qui es brassé, à toi qui es chahuté, à toi qui es ébranlé, s'il y a une chose que tu dois retenir, continue de faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas ton problème, Dieu est la solution. Et réalise que tu peux être un enfant de Dieu, puis ton épreuve, elle peut te sembler tellement étrangère à toi, tellement anormale. Mais c'est pas tu n'es pas hors de la volonté de Dieu, c'est pas parce que tu souffres que tu es hors de la volonté de Dieu. La consolation, c'est quelqu'un quelqu dit la volonté de Dieu ne te mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut te porter. N'oublie jamais ça. Si Dieu dans sa volonté permet que tu sois éprouvé, ce même Dieu a pourvu la grâce qui va te permettre de passer au travers de cette épreuve. C'est le Dieu de la Bible, c'est pourquoi L'apôtre Pierre dit remettez votre âme. Le, le verbe ici, remettez, c'est le même que Jésus. C'est le même verbe que Jésus va dire à la croix Père, je remets mon esprit entre tes mains. À l'époque, il n'y avait pas nécessairement de banque. Lorsque tu partais en voyage, tes biens ou ton argent, tu ne tu, tu peux pas laisser ça à la maison parce que tout le monde sait que tu n'es pas là les valeurs vont venir. Donc, tu remettais ton argent à un voisin fiable. Hein, c'est un peu un genre de coffret de sûreté. Et la Bible dit tu peux remettre ton âme à Dieu, il est fiable. Dieu est fiable. Et ce Dieu-là, il a la grâce. Il veut te donner la grâce de continuer de faire le bien, même quand ça fait mal. Ce n'est pas facile. Il y a des gens que tu m'écoutes, ça fait mal. La parole de Dieu dit Frères, sœurs, continue de faire le bien, même quand ça fait mal. Parce que Dieu a un plan Dieu est en contrôle. Dieu est fidèle, Dieu est le dernier mot, Dieu prend soin de toi, Dieu te porte, Dieu te tire, Dieu te pousse. Il est là. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est éprouvée présentement. Tout le monde souffre à différents niveaux. Seigneur, je prie pour tes enfants que tu nous donnes de comprendre ton plan dans la souffrance et que tu, tu que nous puissions recevoir non seulement la vérité biblique dans la souffrance, mais la grâce de Dieu dans la souffrance. Seigneur, je prie pour des amis qui entendent cette prédication, qui, qui sont sans Jésus. Alors peut-être qu'ils évaluent le coût, le prix à payer. Alors je te prie, Saint-Esprit, que tu puisses inscrire dans leur cœur cette vérité. Mieux vaut souffrir un peu maintenant pour Jésus. Oui, peut-être perdre ta réputation, renoncer à toi-même, renoncer à ton confort. Mais mieux vaut ça que souffrir éternellement sans Jésus. Seigneur, je te prie de te révéler à chacun. Je te prie que des, des hommes et des femmes qui sont là se confient en toi et chacun d'entre nous maintenant, nous remettons notre âme entre tes mains parce que tu es fidèle, tu es fiable. Père, t'as mon prière dans le nom de Jésus. Amen.